Nicolas Sarkozy a répondu à toutes les questions du panel de 9 Français sélectionnés par TF1. C'était un débat assez technique. Il faut dire qu'il est rompu à ce genre d'exercice puisqu'il fait très régulièrement des rencontres avec les Français en province, des tables rondes. Il a voulu montrer à la fois qu'il était rassembleur, qu'il était au fait de tout les dossiers chauds qui font la vie quotidienne des Français. On l'a vu sur le médiateur, sur l'agriculture, sur l'emploi, sur l'éducation, enfin vraiment tout y est passé. C'est une prouesse parce qu'il a vraiment répondu à toutes les questions. C'était assez difficile puisqu'il lui fallait convaincre dans une période où les sondages ne sont pas bons pour lui. Et puis c'était un peu aussi pour le président de la République une façon d'entrer dans la campagne de 2012. La sécurité a été vraiment le sujet sur lequel il a commencé, sur lequel il a attaqué. Ça a occupé une grande place dans son intervention. Il a parlé également du multiculturalisme en rejoignant les positions d'Angela Merkel. Il a dit que le multiculturalisme n'avait pas marché. Donc là, c'est aussi une certaine forme d'évolution de la part de Nicolas Sarkozy.